Bonjour à tous et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu particulière puisque nous allons parler de trois choses. Donc la première chose, des nouvelles du Corlefeu Siletus qui est arrivé donc mi-mai. La deuxième chose, c'est l'évolution du petit né chez nous, donc du petit gecko léopard bien sûr, Eupetheris macularius. Donc voir un peu comment il évolue. Et dans la troisième chose, donc une news un peu particulière que je ne dévoile pas tout de suite. Alors on va déjà voir un peu les animaux et après on parle de cette fameuse news. Donc pour commencer ces news, nous allons donc parler de Joe la nouille, donc Corlefeu Siletus. Alors pourquoi je l'ai appelé comme ça? Alors il se fait appeler aussi merdeux hein, principalement, parce que il mordait son ancien propriétaire, il a cherché à mordre également, il se laisse pas faire du tout. Donc puis j'ai le réflexe d'appeler pas mal de mes animaux Joe la nouille comme ça pour dans le délire quoi, et en fin de compte ça lui est resté. Donc voilà déjà pour ça. Ensuite on voit qu'il est donc dans le 45-45-60 que j'avais préparé dans la dernière vidéo où on parlait de lui. Pour son arrivée notamment. Donc à son arrivée il faisait 21 grammes pour 18 cm et il m'a fait quelques mues. Bon, la première qu'il a fait chez moi, il a eu un peu de mal à la faire, mais les autres c'est passé crème. Il fait maintenant 27 grammes, toujours pour 18 cm. Donc il est très vif, très il se balade beaucoup. La fameuse cachette que je lui ai mis en place a été utilisée une fois certes, mais au moins elle était dedans. Donc ce qui prouve que c'est quand même pas trop mal. Donc ça manque quand même un peu de feuillage, mais j'ai pas réussi à trouver mon bonheur lors de la dernière expo. Et puis je pense pas chercher là non plus parce que s'il a le bon poids, il va être mis en vente. Donc voilà, donc là on le voit pas trop parce qu'il est bien planqué derrière. Mais je vais vous mettre quand même quelques petites vidéos de lui de plus proche en bonus. Comme ça vous pourrez plus facilement le voir. Alors quand je l'ai vu arriver chez moi, il était vraiment tout fin. On voyait bien les côtes et tout, et il manquait de volume. Là il a juste pris quelques grammes et on voit vraiment que voilà, il a quand même bien pris, il a quand même du volume, il a quand même son caractère, mais je le vois grimper partout, alors qu'au début il grimpait pas trop, donc il est passé de 21 à 27 grammes. J'aimerais qu'il prenne encore un peu plus, mais donc ça on y travaille encore et ce sera long, mais au moins on est sur la bonne voie et ça part dans le bon sens. Il est pas malade, je pense qu'il a juste des problèmes de vue, mais ça c'est comme expliquait donc l'ancien propriétaire. Il a déjà eu comme ça, donc il ne sait pas si c'est dû à une maladie ou si c'est une naissance, voilà, donc j'en sais pas plus. Mais bon, ça ne le gêne pas pour chasser, ça ne le gêne pas pour aller manger non plus, pour boire également, donc bon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais quand même beaucoup, beaucoup sur lui, parce que bon, je viens le voir tous les jours, là avec les fortes chaleurs, malgré qu'on ait la clim ici, que j'ai dû couper là, pour cette vidéo, je mets quand même des pulvérisations régulières, comme ça, ça le permet de boire, se rafraîchir également. Donc voilà, donc pour l'instant tout se passe bien, donc on va voir où ça nous mène et puis on verra bien. Bah, je vous laisse avec les petits bonus donc de merdeux, Joe la nouille, et on passe au gecko léopard. Nous voici donc pour la partie donc avec le petit Eupetheris macularius, donc né chez moi, donc juste un petit peu avant donc la bourse le salon terrarionnièvre, pardon. Donc j'ai pas pu le voir de tout le week-end. Mais après on s'est bien rattrapé. Alors il est né avec un petit peu de orangé déjà, mais là on voit que c'est quand même bien développé, donc il est bien speed quand même. Mais contrairement aux autres gecko léopards qui sont nés l'an dernier du même accouplement, il ne criait pas. En fait à la naissance il ne criait pas, il ne mordait pas, il faisait juste des petites charges. Hop, donc voilà, donc on voit qu'il est bien vif quand même. Il a vraiment de jolies couleurs. Hop. En mode mission impossible. Donc voilà, c'est un beau petit gecko. Donc alors mâle ou femelle pour l'instant on ne peut pas savoir parce qu'il est vraiment trop jeune. Mais on saura ça donc d'ici normalement début août. Et donc il sera après disponible en réservation à partir de ce moment-là. Parce que je préfère les CD quand on connaît le sexe de l'animal, donc c'est beaucoup mieux. Ensuite au niveau de l'élevage, alors là il est en rack. Alors je sais qu'il y a beaucoup de soucis entre les pro rack et pro terra machin. J'ai pu constater quelques petites différences entre les racks et terra. Donc après pour les juvéniles c'est du rack et les adultes c'est bien sûr du terra. Donc voilà. Mais lui il se porte vraiment pas trop bien, ça lui permet de bien chasser également, il est quand même très vif aussi,
Donc voilà, et j'ai mis sa cachette dans le mauvais sens, sinon il ne peut pas rentrer. Donc toujours important de mettre un petit peu de calcium. Donc là, on le voit juste là, hein, le calcium. Avec un petit bouchon d'eau aussi, hein, parce que bon, il faut quand même qu'il s'hydrate. Une boîte à mue, que je vais devoir réhumidifier bien sûr. Une petite cachette. Et là, au point chaud. Donc le point chaud, c'est un câble chauffant derrière. Je me suis permis de mettre une petite ardoise pour amplifier la chaleur. Il apprécie beaucoup. Donc voilà. Donc alors pour l'instant, je vais pas donner de nom, ce qui est normal puisque comme c'est une des repros. Mais donc on va faire suivre son petite évolution via la troisième news que je vais vous présenter tout de suite. Donc voici donc pour la troisième news. Alors là, c'est une news un peu plus sérieuse, hein, que c'est pas vraiment sur les animaux. Donc c'est la création du site internet L'île aux Tortues, donc www.lileautortues.fr. Donc vous pouvez retrouver donc les infos sur notre histoire, comment ça s'est créé tout ça, notre but, nos missions, le financement également, comment on peut gérer un peu tout ça. Également, vous retrouverez donc les présentations de tous les animaux de l'élevage, que ce soit gecko-leopard, Phogonaviticeps, également toutes les tortues, donc avec leurs noms, donc certains connaissent déjà un peu, les ayant vu en expo, et d'autres qu'on voit un peu plus rarement. Donc une petite présentation avec leur histoire et tout, ce qui est vraiment, bah, ce qui me permet de mieux les connaître et ma façon de gérer au passage. Une présentation aussi des sauvetages qui ont lieu dans le passé, parce que avant que les tortues viennent à exposer en bourse et que, bah, que ça se développe un peu plus en fait, il y a eu quelques sauvetages qui ont été faits. Il y en a eu d'autres qui ont été faits l'an dernier également. Donc il y a une partie sauvetage où vous pouvez retrouver l'histoire un peu de l'animal. Pour vous montrer également qu'un sauvetage, bah, c'est pas forcément de oh, on chope un, on donne un animal, on le nourrit, il se rend plus mais c'est plié, comme Joe la nouille. C'est pas pareil. J'ai eu des tortues qui étaient vraiment mal en point l'an dernier et des fois on peut les avoir malades, on peut les avoir, elles mangent pas du tout. Enfin bon, il y a le sauvetage, c'est pas forcément facile. Donc voilà, vous pouvez retrouver donc l'histoire des sauvetages. Une partie disponibilité, alors pour l'instant elle est vide, parce que bon, il n'y a pas de disponibilité. Mais voilà, au moins cette partie est quand même créée. Une partie sur le groupe Facebook également, donc L'île aux Tortues, vente et échange spécial tortue. Alors c'est un groupe où je réunis les particuliers pour qu'ils puissent vendre entre eux, ou se donner ou échanger des tortues. Dans quel but? Bah, tout simplement pour pas qu'il y ait forcément énormément d'import ou de commerce lié à ça. C'est parce qu'une personne qui a une tortue mais qui ne peut plus subvenir à ses besoins, on va chercher à la placer. Autant qu'il la place chez une personne passionnée. Donc c'est pour ça, je voulais faire cette rencontre afin qu'une tortue qui a une histoire puisse continuer à vivre son histoire mais avec d'autres personnes. Voilà, donc c'était surtout dans ce but-là. J'ai quand même trois partenaires également, donc un troisième donc, qui a été signé récemment. Donc j'ai Onios Concept, donc vendeur de matériel, Tortue Mania, donc qui vend beaucoup d'objets sur les reptiles et donc les tortues également. Et donc j'ai Création Reptile Zone qui est notre nouveau partenaire. Donc pour tous les membres du groupe, il y a un avantage lié à des commandes chez eux. Voilà. Donc ça, c'est une petite partie aussi que je voulais ajouter, parce que c'est vrai que les professionnels sont quand même dans ce monde de la thériophilie. Et c'est un monde qu'il faut faire tourner également. Donc moi, je travaille beaucoup avec les auto-entrepreneurs, parce que je trouve que voilà, ils n'ont pas le même but, ils n'ont pas la même vision qu'une entreprise. Donc voilà, donc ils ont accepté de jouer le jeu et de donner un peu pour le groupe en échange de la place pour leur publicité. Voilà. Ensuite, au niveau du groupe, les règlements vont changer également. Donc ça, c'est lié au site aussi, parce que j'ai voulu recentrer un peu toutes les choses un peu partout. Donc voilà, donc tout ça, c'est sur le site internet si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et il y a une autre partie aussi que j'ai créée. Et dans cette partie, je mets principalement des infos, donc comment adopter une tortue, la législation, certaines maladies également, où j'ai fait des fiches. Alors cette partie-là, c'est une partie où vraiment vous cherchez tel ou tel type d'infos, vous me demandez, et puis bah, moi je vous la donne directement, puis moi en fait je peux en faire directement un article. Comme ça, d'autres personnes qui peuvent chercher de telles infos auront la réponse plus directement. Ça peut être joué comme ça, ou des fois je peux parler de sujets également liés aux tortues, notamment. Donc ça, c'est une partie qui peut s'agrandir avec le temps. Alors le site n'est pas vraiment énormément développé, il y a aussi également une partie vidéo, une partie agenda dont je me servirai peut-être pas forcément, parce que bon, mes actualités, là où je me déplace, vous le verrez directement.
Et cibler toutes les bourses d'Europe me tente pas vraiment, c'est pas le but du jeu non plus. Un petit livre d'or, si vous me croisez en bourse, que vous avez eu des bons conseils, ou que vous avez acheté un animal chez moi et qu'il est en bonne santé, que tout va bien et que vous laissez un petit message, y a pas de souci, c'est fait pour ça aussi. C'est prévu pour. Après, il y a une. Enfin, niveau partie, voilà, il y a une partie vidéo également où vous retrouverez toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Sans forcément passer par YouTube, ça vous permet de les visionner. Donc voilà, c'est un petit site qui voit grandir. Donc pour l'instant, on lance la chose. Mais je ne voulais pas quand même lancer la chose comme ça non plus. Je voulais que ça soit un peu une petite fête. Et une fête, ça fait un petit concours quoi au passage. Donc je vais vous expliquer un peu tout ce qu'est le concours. Alors pour le concours, c'est très simple, il suffit juste en fait de marquer je participe en dessous donc de la vidéo, de laisser également un like sur la vidéo et de s'abonner bien sûr à la chaîne. Ensuite j'aimerais remercier aussi Tortue Mania pour les lots qu'elle a fournis donc pour ce concours. Alors les lots à gagner, ils sont tout simples, voilà, c'est principalement tortues, voilà, donc des petites tortues assez simple en pierre, donc bien sûr voilà, c'est assez mignonne. Donc il y en a 4 comme ça, et il y a des petites tortues donc avant tout hein, pour aller sur les baignoires hein, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est le lot numéro 1. Le lot numéro 2 et le lot numéro 3, en fin de compte c'est exactement la même chose, sauf que les tortues ici sont de couleurs différentes. Alors je me suis dit pourquoi s'arrêter à 3 lots pour 3 gagnants, on va en faire un quatrième. Donc c'est pour ça que j'avais comme une tortue toute seule. Et on va pas la laisser toute seule abandonnée. Donc ce sera pour la quatrième personne. Alors comment va se passer ce concours? Donc comme je l'ai dit, vous laissez un commentaire donc avec le mot je participe en description donc de la vidéo. Likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Tout simplement, rien de plus simple. Et un tirage au sort sera fait dans les prochains jours afin de désigner les gagnants. Alors comme je veux qu'il y ait quand même pas mal de participants, je vais laisser donc les participants s'inscrire jusqu'au 15 août. Au 15 août, je fais donc je regarde tous les noms et je fais un tirage au sort comme ça. Alors, je ferai, je pense, le tirage au sort en vidéo afin de donner les résultats et que ce soit plus sympa. Voilà. Donc, ça permettra de fêter également donc l'arrivée du site, on va dire, en grande pompe. Et là, nous sommes donc en même temps la veille du Reptile Day d'Arras. Donc comme quoi les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera certainement celle de la vidéo du Reptile Day. Salut !